Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Gloire à Dieu. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel dans les cieux et sur la terre. Père, en Jésus-Christ, nous voici devant ta majesté bénie, en vue de t'implorer. Oui, Seigneur, tu es un Dieu grand, capable, merveilleux. Oui, Seigneur, nous réclamons ta présence parmi nous ce matin. Sois avec nous. Bénis ces cultes d'adoration et de louange. Oui, Père, nous comptons sur toi. Par Jésus-Christ, nous t'en prions au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, les membres de l'église baptiste Bellevue Salem, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. C'est avec honneur et plaisir d'être là ce matin pour adorer le Seigneur. Vous êtes à l'église baptiste Bellevue Salem du Canada, l'église située au 92 boulevard Ribert Gatineau, Québec, code postal J8T3P8. Ne soyez pas gênés, vous êtes dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. La sœur Betty va passer et son équipe pour nous amener devant les trous de la grâce. Soyez bénis. Merci. Amen. Alléluia. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Disposez-vous, nous allons adorer, exalter, magnifier le nom de notre Seigneur ce matin. Alléluia. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu est grand, Dieu est fidèle. Encore en sa présence ce matin. Encore dans la présence de Dieu. Sentez-vous content, fier d'être parmi ceux qui adorent le Seigneur. Qui adorent le Seigneur ce matin. Adorez le Seigneur en esprit et en vérité. Disposez-vous à chercher le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, tu es bon. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tu fais venir, fais rimer sur moi ta
Chemin.
sera faite par la sœur qui était à la gloire de Dieu. Mettez-vous debout pour la lecture que nous trouvons dans Jean 11, versets 11 à 40. Je lis pour vous. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus vers elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura.
Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je veux vous dire ce que Jésus avait dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Peuple Bellevue Salem du Canada, vous qui nous écoutez, vous verrez la gloire de Dieu si vous croyez. Amen. Alléluia. Nous allons vaquer à la prière. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Gloire à Jésus. Seigneur est bon pour nous. Gloire à Dieu attaché à la croix pour nous. Merci Seigneur. Disposez vos cœurs. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux. Gloire à Dieu. Quel sauveur nous poursuit dans ce matin. Amen. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie nous rend. Et sa vie. Amen. Nous rend. Pour mourir sur les femmes de moi ce matin. Pour mourir sur les femmes de moi. Attaché à la croix pour moi. Oh, yeah.
Le Seigneur est bon, alléluia. Le Seigneur est digne de louange, alléluia. Il s'est donné, alléluia. Gloire à Jésus, il a tout fait. Gloire à Jésus. Nous sommes sauvés ce matin par ce grand sacrifice, alléluia. Le sacrifice, alléluia, immortel, alléluia. Parce que notre Seigneur s'est donné, il a été humilié, humilié pour nous ce matin, humilié, alléluia, alléluia. Mais nous sommes sauvés par ce sang, par ce sacrifice, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Je l'ai trouvé, notre Sauveur est grand, il est adorable. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Je l'ai trouvé. Nous l'avons trouvé ce matin. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang, alléluia, de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je l'ai trouvé. On nous reprend, dit que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Je suis par son sauvé. Sang, par ce sacrifice. Oh, alléluia. Le plus grand sacrifice en ce monde. Mes péchés sont effacés.
sacrifice à la croix. La tyrannie affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Laissez-moi. Ce matin. Quel sauveur merveilleux nous possédons ce matin. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Dieu de toute éternité, le Dieu Créateur de l'univers. Ce matin, nous approchons de toi devant ton trône. En Jésus-Christ. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Comme nous venons de chanter, quel sauveur merveilleux nous possédons. Oui, ce matin, Père, grâce à ce sauveur, nous avons la vie éternelle. Grâce à ce sauveur, nous faisons partie de ton royaume, car nous réalisons que notre bonheur n'est pas sur cette terre. La terre est bouleversée. La terre, c'est l'inquiétude, c'est la peur, c'est la tourmente. Mais grâce soit rendue à toi, en Jésus-Christ, nous, un jour, nous vivrons le bonheur parfait. Merci pour cette grâce ce matin. Merci pour cet amour. Et nous t'adorons ce matin, Père, pour cet amour. Toute la gloire te revienne ce matin et l'adoration. Et comme David a dit dans les psaumes 103, notre âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en nous ce matin bénit ton saint nom. Nous te disons merci en Jésus-Christ pour chacun de nous ici ce matin, pour
pour réunir, pour t'adorer. C'est une grâce que tu nous accordes. Pendant cette semaine, chacun de nous, nous étions dans notre activité. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Tu prends soin de nous. Père, tu es tellement grand. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Sinon que par ton amour et par ta fidélité, nous t'adorons ce matin, Père. Gloire, honneur, louange à toi seul. Merci, Père, pour ta divine protection. Merci pour le pain de chaque jour. Merci pour Jérusalem. Merci pour nos familles. Merci ce matin pour le cœur des chantres. Merci pour nos musiciens. Merci pour l'assistance. Merci, Père, pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux ou bien à travers la radio Télé Salem internationale. Nous te disons merci pour eux, Père. Car à chaque jour, chaque seconde que nous passons sur cette terre, c'est une grâce, car la terre est piégée. Notre sécurité vient de toi. Notre bonheur vient de toi. Notre joie vient de toi. Notre paix vient de toi. Parce que la terre, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est l'incertitude. Père, merci parce qu'un jour, nous serons auprès de toi. Merci, Père, parce qu'un jour, nous aurons à oublier les problèmes, les difficultés de cette vie. Dans ton royaume, ce sera la paix, le bonheur, la tranquillité. Il n'y aura pas de pandémie, il n'y aura pas d'insécurité, il n'y aura pas de kidnapping, il n'y aura pas de persécution, mais c'est le bonheur éternel. Non, te disons merci pour cette promesse, pour cette grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ. Père, ce matin, nous te remettons notre vie. Aide-nous à marcher d'une façon digne de l'Évangile, car tes jours sont approchés. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil de la mort et à vivre la vie que tu demandes. Une vie de sanctification, une vie loin du péché, une vie loin des heures de ce monde. Car Père, tes jours approchent. Bénis ton peuple ce matin, bénis l'Église, bénis nos ouvriers, Père. Que ta grâce repose sur ton peuple ce matin. Que ta grâce repose sur ton Église ce matin, Père. Que ta grâce repose sur toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent à travers les médias, Père. En Jésus-Christ, je réclame cette grâce ce matin. Nous te prions, Père, pour ce pays. Nous te prions pour les dirigeants politiques dans ce pays et à travers le monde. Père, que leur cœur soit dirigé par toi. Car nous réalisons que Satan, parfois, il dirige leur cœur. Et ils prennent des décisions qui sont contraires à ta parole et à ta volonté. Nous te prions ce matin pour notre pays, Haïti. Nous te demandons grâce, Père. Car nous réalisons que l'ennemi travaille pour détruire ce peuple. Mais dans le nom de Jésus-Christ, nous réclamons que cette puissance, les forces de l'ennemi soient brisées ce matin et que Haïti soit délivré. Père, nous te prions pour les malades ce matin. Si là où qui est malade, côté Oye, que ta main guérisse le tous ce matin. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont persécutés, qu'ils soient délivrés ce matin. Nous te prions, Père, ce matin pour nos enfants, nos jeunes, les leaders évangéliques, nous voulons intercéder pour eux ce matin. Là où elles sont, Père, va les toucher et les bénir au nom de Jésus-Christ.
Père, bénis ton Église. Nous avons besoin de toi. Et par la foi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Car celui qui marche par la foi n'a pas tombé. Nous serons plus que vainqueurs. Père, ce matin, pourvois aux besoins de ton peuple ce matin. Pourvois aux besoins de l'Église. Et que les ennemis de ton peuple soient vaincus au nom de Jésus-Christ par son sang versé à la croix. Père, protège-nous de tout mal. Garde-nous. Couvre-nous en bassant, Seigneur, car nous sentons que l'ennemi n'est pas joué. Ennemi la travaille, mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, car la victoire du calvaire, c'est notre victoire. Et nous réclamons victoire au nom de Jésus-Christ, par son sang versé à la croix. Père, nous te levons l'économie des pays du monde, et par la puissance que tu nous donnes ce matin, nous lions l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Passons sans verser à la croix et nous réclamer que l'économie pays reprend ce matin. Père, touché que si la yo qui a fait méchanceté, surtout en Haïti, Zenglendo yo, kidnappé, touché que au matin, faire reconnaître que grand bon Dieu cap gardé et si vous pas repenti des péchés, gon ka fouya kontra avec vous. Touché que dirigeant au bon Dieu, et ce matin nous crions un pitié pour Haïti, notre pays, notre cher pays. Père, nous pas bouquer intercéder parce que nous connaissons bon Dieu qu'on fait grâce. Grâce pour le peuple haïtien ce matin. Grâce pour les États-Unis, grâce pour l'Italie, grâce pour l'Afrique, grâce pour le Canada ce matin. Comme senti que même Jean Dieu de Noé où tu vois que méchanceté les hommes t'a augmenté sur la terre. Ou te décider sur la terre. Je me sens que ce jour-ci, c'est pire. Mais c'est grâce, c'est miséricorde. Gain pitié pour eux. Nous te prions, Père, pour les prisonniers. Nous te prions, Père, pour si là-haut, Père Saint, qui loin face, touche cœur au matin. Parce qu'on parle pour retourner. Père, nous te remettons cette semaine. Que cette semaine soit bénie. Nous te remettons nos activités, Père. Nous te remettons nos enfants. Nous te remettons, Père. Chacun de nous qui l'a, qui voit activité que tu as fait ce maintenant avec nos pères, et que nos cœurs soient dirigés par toi. Aide-nous à vivre pour toi, à marcher comme des enfants de lumière, car tu nous appelles à être la lumière et le sel de ce monde. Père, bénis ton peuple ce matin, bénis peuple pour matin, que grâce ou répande sur nos matins, Père. Nous réclamons faveur ou grâce sur l'église du matin, sur le peuple, et c'est le cap coûté, nos bon Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. L'Église est plus que vainqueur. Nous te remettons notre berger et sa famille. Gardez-vous, protégez-vous, Père. Couvrez-vous, bas notre grâce et faire provision. Et me déclarer par la foi au nom de Jésus-Christ. Jérusalem, ce sera plus haut et plus loin. Car le Dieu que nous servons, il est fidèle. Je regrette ça pour ennemi. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Nous ne pouvons pas perdre bataille. Car mon cap prier, pas jamais perdre bataille. Tu es fidèle ce matin, nous t'adorons, parce que tu es le Dieu qui domine, le Tout-Puissant, c'est au cap régner. Depuis dans ces temps, où qu'on manifeste gloire, et ce matin manifeste ta gloire dans la vie de ton peuple, pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ, nous t'en prie notre Sauveur, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, ce matin, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux naître à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux naître Jésus, mon roi. Allez.
je t'aime. Alléluia, Jésus mon sauveur, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, tu es mon sauveur. Alléluia. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de toi. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi. Oh, tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oui. À qui tu veux être ce matin? Amen. Jésus, voilà, Jésus, choisis la vie et tu vivras. Alléluia. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de Alléluia. Je veux n'être à qui tu veux être ce matin? Amen. Jésus, je t'aime. Oh, qui n'est? Oh, oui, qui n'est? Oh, oui, rien. Reçois l'adoration.
environnée de louanges. Environnée de louanges. Quartier de l'éternité. Quartier de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Quel est ce tabou? Alléluia! Reçois notre adoration, Seigneur! Reçois l'adoration! Tu es le roi de Amen. Notre victoire! Nous te louons! Il y a du Seigneur! Emmanuel! Reçois! Alléluia, gloire à Jésus, amen. Oh. Sur ce chemin que gloire à notre Seigneur, il est fidèle. Je marche chaque notre jour. Dieu est grand. Garde mes yeux des attraits. C'est une prière ce matin. Garde-moi près de la croix. Alléluia. En ce lieu saint où mon âme est fécond, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois l'adoration. Reçois les musiciens, l'équipe multimédia. Applaudissez vous-même. Gloire à Dieu, félicitations, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.
vous qui êtes en ligne, qui êtes à distance, l'église baptiste Bellevue Salem vous salue. Vous qui êtes en présentiel, vous êtes bénis, que Dieu vous garde, l'église baptiste Bellevue Salem vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes très contents d'être là ce matin pour adorer le Seigneur. Nous avons pas mal de frères et sœurs, et ça fait longtemps on ne s'est pas vu, vu la COVID-19. Donc, merci d'être là ce matin pour adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas citer les noms, mais gloire à Dieu, bienvenue. Vous êtes cordialement bienvenue ici à l'église baptiste Bellevue Salem. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et j'en profite pour solliciter une demande. Je vous invite à prier pour la police nationale, le pays d'Haïti. La police nationale qui est frappée, c'est nous, Haïtiens. Chez vous, dans la prière à domicile, s'il vous plaît, l'église baptiste Bellevue Salem, auditeurs de la radio Télé Salem internationale, téléspectateurs, internautes, je vous invite à prier pour notre cher pays qui est en train de faire face à un moment extrêmement difficile. La sécurité nationale est frappée jusqu'au cœur. Je vous invite à prendre deux secondes de silence, s'il vous plaît, pour notre cher pays. Merci. Pendant que vous vous prépariez pour procéder à la cueillette des dîmes et des offrandes, j'aimerais vous parler de nous à l'occasion du dimanche, du Vendredi Saint. On aura une célébration solennelle. C'est le vendredi de 18h à 20h. Tous les membres de l'église baptiste Bellevue sont invités à prendre part. Donc, et aussi vous qui êtes en ligne, que vous soyez visiteur ou bien membre de l'église baptiste Bellevue Salem, eh bien, le vendredi saint 2 avril, dis-je, nous aurons une célébration solennelle de 18h à 20h. Nous aurons un invité et il sera là pour prêcher lors de cette occasion. Donc, n'hésitez pas à prier pour chacun de nous, les uns pour les autres. Priez. Nous avons besoin de votre aide, de vos prières. Priez pour moi. Priez pour toutes les commissions, tous les départements de l'Église. J'aimerais vous rappeler que maintenant, nous avons notre capacité d'accueil ici. On peut aller jusqu'à 100 personnes ici dans le sanctuaire, c'est-à-dire en présentiel. Donc, vous n'hésitez pas à venir à l'église baptiste Bellevue Salem pour qu'on se familiarise, pour qu'on se socialise. On est ensemble, peu importe là où vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes chez vous. Je vous invite à venir à l'église baptiste Bellevue Salem
pour adorer le Seigneur, pour implorer le Seigneur, gloire à Dieu. Donc, c'est ça, nous avons une capacité, la capacité d'accueil de l'Église, selon l'ordre du gouvernement, selon la recommandation du gouvernement, on peut aller jusqu'à 100 personnes en présentiel. Donc, l'équipe, nous avons une équipe qui est au travail. Nous, depuis des semaines, on est au travail. Donc, pour vous accueillir, donc, pour vous recevoir. Donc, toute cette semaine, nous avons des grandes préoccupations. Donc, pour l'église Baptiste Bellevue Salem, voilà, j'invite au groupe des dames de l'église de se mettre ensemble. Et nous invitons les groupes d'hommes de l'église de se mettre ensemble. Nous invitons la jeunesse de se mettre ensemble. Nous invitons toutes les commissions, tous les départements, les enfants. Donc, c'est le temps de partir, c'est le temps de partir, ça fait longtemps. Donc, la COVID-19 donne beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est le moment de marcher, de passer de gloire en gloire. Gloire à Dieu. Donc, dès cette semaine, on va commencer, il y a des décisions à prendre. On va se réunir surtout avec le comité et d'autres institutions de l'Église pour pouvoir prendre des grandes décisions pour l'avancement de cette œuvre. Gloire à Dieu, Dieu est à l'œuvre. Nous sommes au travail et nous avançons par la foi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Donc, chers amis, chers auditeurs, nous allons procéder à la cueillette des dîmes et des offrandes. Donc, vous qui êtes à distance, vous pouvez via MoneyGram, vous pouvez nous faire un transfert via MoneyGram, via Western Union. Donc, vous pouvez nous envoyer un chèque, libeller un chèque au nom de l'église Baptiste Bellevue Salem avec le motif, tout ça, c'est très facile. Ou bien, dans cash, par Interac aussi, par exemple, virement bancaire, vous pouvez aller sur votre application bancaire, vous pouvez aller faire un transfert pour l'église Baptiste Bellevue Salem. Donc c'est ça. Ou bien PayPal, c'est très facile, il y a différents moyens, différentes possibilités pour y accéder. Donc maintenant vous allez vous lever nous, pour aller faire un don, vous donner vos dîmes, vous donner, vous qui êtes en présentiel, vous allez vous lever. Nous avons des corbeilles à côté. Donc vous allez vous lever l'un après l'autre pour venir déposer les dîmes, les dons et les offrandes. Donc on vous attend, vous pouvez vous lever. Donc encore, il y a une machine en arrière, une machine Interac. Vous pouvez passer en arrière. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à contribuer à l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. N'hésitez pas à vous lever, c'est très facile. Donc, c'est la seule chose. Il faut laisser 2 mètres de distance. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Gloire à Dieu. Amen. Les enfants, vous êtes coquettes. Félicitations. Vous êtes des enfants bénis. Entre les mains de Dieu. Les enfants sont notre avenir. Gloire à Dieu. Voilà, blesse se lever pour venir. Gloire à Dieu, blesse. Donc, félicitations. Merci, merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous lever. Allez déposer un chèque, un don, une enveloppe. Gloire à Dieu. Vous qui êtes en ligne, en attendant, vous pouvez procéder à libeller. Libellé un chèque au nom de l'église Baptiste Bellevue Salem et nous envoyer ça sur cette adresse, à travers cette adresse, l'église 92 boulevard Ribert Gatineau, Québec, J8T3P8. Ou vous pouvez nous appeler au 819-700-0210. Il y a un numéro international sans frais, peu importe là où vous êtes, vous pouvez nous appeler et nous sommes là pour vous recevoir, pour vous entendre, pour vous écouter. Gloire à Dieu. Il y a une famille, et il faut prier en regardant sur via Facebook. Il faut prier pour le frère Amos Marcelin,
Il vit en Haïti. Je vous invite à prier pour ce frère, ce serviteur. Il a besoin de la prière. Gloire à Dieu. Et aussi, donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, notre channel YouTube. Abonnez-vous et après, laissez un commentaire. Laissez-nous un commentaire, ça va faire du bien. Donc, c'est ça. Channel YouTube ou bien Facebook aussi, vous pouvez vous abonner. Nous sommes là pour vous recevoir. Gloire à Dieu. On va prier maintenant pour les dons que nous venons de ramasser. Père Céleste, en Jésus-Christ, merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci de nous avoir permis de contribuer à cette cueillette. Bénis-nous, Père. Nous comptons sur toi. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de bénir. Oui, ce matin, nous comptons sur toi. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. Au siècle des siècles. Sois béni. N'hésitez pas à participer dans toutes les activités de l'église. Mercredi, études bibliques. Samedi, service de jeûne. La porte est grandement ouverte pour vous recevoir, pour chercher le Seigneur en ce moment très difficile. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons danser, adorer, célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une matinée de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, alléluia, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Nous allons compter les bienfaits de Dieu ce matin. Dieu a fait pour nous de grandes choses, des merveilles, et nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia, nous allons adorer, danser, alléluia. Merci Seigneur. Dans le vol de la tempête, dans le vol de la tempête, baisser la tête, compte la défaite,
jour. Pour libérer. Moi, je voulais raconter. Moi, je voulais raconter. Alléluia. Voilà Jésus. Comment je vais reconnaître ce soir, Père, mon Dieu, ma terre. Sous la terre, il vini un jour. Perdu, nous sommes.
prédication. Alléluia. Donc, fort à là pour ta ouais ça. Que bagay, nous tout dit au monde, pas jamais quitter mon vin diou. Chou quitter mon vin diou, il pas jamais du bal à jante. Tout est une déformation. C'est axio pour elle et pour tandil. Est-ce que vous l'avez avec moi? Tout ça entendé, ou mon rapporte ou, il pas rapporte aux gens dit les gens lié. Ça le royal pas rapporte aux gens royal là. Tout gagne déformation. Et ça fait me dire et matin que bagaille faut si vous êtes là. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Crie alléluia. Crie alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Acclamez le Seigneur pour ça. Acclamez le Dieu des rois, le Dieu des dieux. Donc il est fidèle, il est merveilleux, il est puissant ce matin. Amen, amen. Donc tantôt j'ai commis une erreur. Donc l'erreur c'est que nous avons des grandes sœurs, des belles sœurs qui travaillent grandement pour le groupe d'accueil. Donc j'ai oublié de si tu regardes mesdames derrière là, donc dans le déplacement, au sentier des professionnels qui ont déplacé. Donc, acclamez mesdames, s'il vous plaît, parce que vous faites un travail. Vous êtes en mettre sous travail. Depuis que vous avez déplacé, vous déjà ouais, c'est le monde qui sous travail. Hein? Gloire à Dieu. Donc, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, donc c'est la joie, c'est le contentement, c'est la vie, la paix. Et nous sentons que nous. Est-ce que ça dit qu'on vend fraîcheur en dedans? Amen. Ah wow. Oh my God. Wow. Je sens qu'il y a une nouvelle saison qui a soufflé. Oh wow. Dis merci Seigneur. Amen. 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 Dis gardez moi recevoir voilà, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voici devant toi en vue de porter ta parole. Nous voulons que tu sois avec nous, bénis-nous. Nous voulons que tu nous remplisses de ta présence, de ton onction. Parle et nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, je veux saluer, il y a des gens qui nous écoutent en Haïti. Je veux saluer Pasteur Mémé Cypri, Pasteur Lucien Napoléon, Pasteur de l'église Bellevue Salem, Salem 1, Delma 24. Nous voulons saluer Pasteur David Vilma. Et ses collègues, donc pasteur, donc ici c'est Salem 2 et le comité de Jacuna, donc tout ça, vous êtes tous salués. Donc pasteur Wilner Joseph, c'est pasteur de l'église Bellevue Salem Delma 32 de 42, donc Salem 6, donc c'est des hommes qui travaillent grandement à la communauté Bellevue Salem. Vous êtes tous salués, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde là où vous êtes. Nous vous aimons, gloire à Dieu. Chers auditeurs, chers internautes, c'est avec plaisir, honneur d'être là ce matin pour porter la parole de Dieu. À chaque fois que j'ai cette opportunité, je dis merci à Dieu. Combien de gens qui n'ont pas cette grande opportunité, l'ennemi les ont déjà. L'ennemi les a déjà terrassés. Chers amis, depuis ce
le commencement de l'année 2021, si vous constatez, chers amis, nous sommes dans un moment de surabondance. Le mois de janvier, c'était la surabondance de la foi. Février, surabondance de la grâce. Et le mois de mars, surabondance de la gloire de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mais bien aimé, dimanche 7 mars, on avait parlé de la démonstration de la surabondance de la gloire de Dieu. Et le premier, ou bien la première démonstration, c'était par sa majesté. C'était là, on a essayé de débattre notre prédication. Et le texte de base, c'est bien 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il a dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir de gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, on parlera des caractéristiques de la surabondance de la gloire de Dieu. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Mais bien aimé, quand vous êtes à l'église, vous devez avoir un stylo, un crayon, ou bien, quelque chose pour écrire. Maintenant, il y a quelque chose que je vais dire ici, c'est bon pour la vie. Mentalement, c'est bon pour la vie. Chers amis, on parlera des caractéristiques de la surabondance de la gloire de Dieu. Chers auditeurs, chers internautes, la gloire de Dieu, ou bien la gloire, se définit par différentes façons. Par exemple, la présence de Dieu, en un mot, les rayonnements sensibles de la présence de Dieu. Exode 33, verset 18 à 23. Comme Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que vous êtes là ce matin? Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui? Écoutez. Je fais grâce à qui je fais? Ne ratez pas ça. Je fais grâce à qui je fais grâce. Oh, ce n'est pas quelque chose à acheter. Hein? Ce n'est pas quelque chose à acheter. C'est la grâce. Si vous aimez comme ça, c'est grâce à. Est-ce qu'on l'a avec le matin? Écoutez, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. La deuxième définition, on peut considérer, non seulement la gloire de Dieu se définit comme la présence, mais le rayonnement sensible de la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est la majesté. Ésaïe 2, verset 10, il est dit, entrez dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. En un mot, là, quand on parle de sa majesté, on veut parler de la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous êtes là maintenant?
Oh, donc il dit Dieu, il dit de sa majesté, de sa royauté. Hein? La royauté de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, chers amis, il dit, entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur, la colère de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Troisième considération de la définition de la gloire. Non seulement la gloire se définit comme la présence de Dieu, le rayonnement sensible de Dieu. Deuxièmement, la majesté. Mais troisièmement, la couronne ou bien récompense. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas c'est par vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement. En un mot, la Bible parle de sept types de couronnes. Il y a couronne de vie, couronne de justice, couronne de gloire, couronne incorruptible de gloire. En un mot, la gloire de Dieu fait partie des sept types de couronnes que les chrétiens devraient recevoir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, troisième considération, la présence de Dieu. Mais quatrième considération, la présence de Dieu se définit comme merveille, prodige, miracle. Dans Psaume 19, le psalmiste a dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et la Bible nous dit, dans Jean chapitre 11, le verset 40, Jésus a dit à la servante, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Tu verras quoi? Les merveilles de Dieu. Tu verras quoi? Les miracles de Dieu. Tu verras quoi? Les prodiges de Dieu. Écoutez, le miracle peut être opéré par seulement la foi. Voilà pourquoi un chrétien, voilà la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Pour que le miracle soit opéré, pour que les merveilles soient faites, il faut que la foi bouge. Oui. Écoutez, mais ce matin, écoutez, activez votre foi pour que le miracle soit opéré. Activez votre foi pour que l'Église avance. Activez votre foi pour que votre maladie ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, c'est le temps de passer à une nouvelle saison. Aïe, aïe, aïe. Et pour que cette nouvelle saison prenne place, il faut que votre foi soit activée. Activez votre foi. Activez votre foi pour votre mariage. Activez votre foi pour votre famille. Activez votre foi pour votre avenir, ma soeur. Dieu est à l'œuvre. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider par cette lettre que vous avez reçue de la part du gouvernement. Ce matin, Dieu m'a dit, activez votre foi, cette situation est capable de changer ce matin. Et activez votre foi, ma soeur. Oh, regardez cette prescription, ce papier que vous avez reçu de la part de votre médecin. Disant, dit, il y a un cancer qui se développe. Dis non, non, de Jésus. Oh, my God. Et déclarez-le au nom de Jésus. Il va traverser matin. Mais qu'est-ce que tu dis matin? Si tu crois, tu verras la gloire des yeux. Écoutez, Marie a dit, ça fait longtemps, ça fait 4 jours. Et il sent déjà. C'est là le sang, le bon l'Éternel. Oui, 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 o
qu'il y ait espoir, regardez, faut qu'il y ait espoir. Et il a dit, je suis là. Regardez, regardez, il sent déjà, il n'y a pas de problème, il sent déjà. Ça, c'est mon problème. Activez votre foi, ma soeur, mon frère, auditeur, auditrice, là où vous êtes. Activez votre foi pour que le miracle soit opéré. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas troubler. Dieu est à l'œuvre. Dieu n'est jamais en retard. Oh my God. Et qui aime du matin, bon Dieu, pas qu'on est en retard. Là où il est fait là, il est souverain, il est majesté, personne, pas qu'à couper des balles. Et laissez-moi vous dire, soit bon Dieu qui a quelques épreuves dans la vie, bon Dieu grand monde, il quitte le passé pour le faire gloire manifeste. Qui aime du matin, hein? Si vous recevez une prescription, si vous recevez un papier de médecin, si vous recevez une parole, qui aime du accepter, mettez la joie dans le cœur, parce que bon Dieu est pour la vie. C'est dans le temps, c'est lorsque mort a senti, et leur odeur a même, vous ne pas intervenir. Leur paquet d'espoir, vous va faire éclater gloire, vous va sentir que bagaille, quoi, fait. Chers amis, la Bible nous dit, troisième, mais non seulement la gloire s'est définie comme les merveilles, comme prodiges, miracles, mais troisièmement, comme remerciement, honneur. Honneur, remerciement. La Bible nous dit, dans Psaume 29, verset 2, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Est-ce que vous êtes là ce matin? En un mot, remerciez le Seigneur, louez l'Éternel, adorez pour Dieu, glorifiez le nom de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? En un mot, donc je vous ai dit que la gloire de Dieu, la gloire se définit premièrement par la, comme la présence ou bien le rayonnement sensible de la présence de Dieu. Deuxièmement, comme ce qu'on appelle la couronne, et troisièmement, ce qu'on appelle les merveilles, et deuxièmement, la majesté, et cinquièmement, remerciement, ou bien honneur. Maintenant, si la gloire de Dieu se définit comme le rayonnement sensible de la présence de Dieu, se définit comme la majesté, se définit comme la couronne, mais l'évaluation, mais la récompense, ou bien comme quoi les merveilles, les miracles, les prodiges de Dieu, ou bien comme quoi, comme bien-aimé, comme remerciement, honneur. Mais quelles sont ces caractéristiques? Maintenant, voilà la question. Voilà le questionnaire. Quelles sont ces caractéristiques? Pour pouvoir répondre à cette question vient à ce questionnaire. On va commencer d'abord par le psaume 138, les versets 1 à 5. Il a dit, je te célèbre de tout mon cœur. Psaume 138, verset 1 à 5. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple. Et je célèbre ton nom à cause de la bonté, à cause de la fidélité. Car la renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te louons, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends la main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Dans le verset 8, il a dit, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Dans ce passage,
Remarquez que le psalmiste était en train de présenter un tableau de louange. Maintenant, dans ce tableau, mais dans ce panorama, écoutez, dans ce squelette, il a présenté d'abord la louange individuelle. Le psalmiste a dit que dans les versets 1 à 3, il a dit, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu, je me prosterne dans ton Saint-Temple. Écoutez bien, je me prosterne où? Dans ton Saint-Temple. Maintenant, qui parle? C'est le psalmiste. Il parle à qui? À lui-même. Il se prosterne, écoutez bien, il se prosterne où? Dans le temple, dans le Saint-Temple de Dieu. Maintenant, il dit, je célèbre ton nom à cause de la bonté et de ta fidélité, car ta promesse renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as assuré et tu as fortifié mon âme. Chers amis, le psalmiste est en train de dresser un tableau. Un tableau de bienfaits de Dieu dans sa vie. Il y a un tableau comment Dieu a opéré pas mal de miracles. Comment Dieu a opéré pas mal de prodiges, pas mal de merveilles. Maintenant, il est en train de contempler la gloire de Dieu. Il a dit, la situation dans laquelle que je me suis trouvé, n'était-ce pas Dieu qui côté me d'ailleurs? Oh, mes bien-aimés, le psalmiste a dit, oui, la promesse qui était faite sur ma vie, Dieu, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu puissant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se... Quand il parle, il a. Et laissez-moi vous dire ce matin, la promesse qui est faite pour vous, ne vous laissez pas troubler par cette prescription, par ce papier que vous venez de recevoir, qui dit que, regardez, ou pas bien, ou pas mourir, ou pas mourir dans 15 jours, dans 6 mois. Regardez, dit, docteur, je vous promets sous la vie, ma prière, la réalité quand? Comment? Écoutez. Et parfois, il y a des promesses que dans la vie, il faut well déjà après réaliser ou commencer à éclater l'action de grâce en deux fois. Ou commencer à adorer. Et ça fait que les gens qui ont des promesses, ils ne peuvent pas venir dans cet plan pour le copier comme ça. Parce que pendant tellement manifeste dans moi, c'est ouais moi des mémoires, c'est ouais moi des pieds, ma balancé, c'est ouais moi ma courir parce que les promesses, il faut l'accomplir. Et que tu m'as dit, qui est-ce? Qui est ça bon Dieu voulait dire avant matin? Pas que tes problèmes ça fini avant l'année. Pas que tes problèmes ça fini avec Marie ou. Pas que tes problèmes ça fini avec petit tout. Quand est compté sur ça bon Dieu veut. Et bien, deuxième considération. Ça me s'a pas dit. Non seulement la louange individuelle. Ça me s'a pas dit. La louange internationale. Mais bien, même, moi, je dis un bagage, attendez. Ou même qu'a béni mon Dieu, béni non mon Dieu. Adorez mon Dieu, attendez. Ou est-ce qui pas voulu adorer, qui ont l'air tellement après le besoin d'adorer ou pas même qu'a bloqué. Et pas moi dit, non, il a dit, lui. Allez bien. Regardez avec moi. Dans Somme 138, verset 4 à 5. Regardez ça, dit. 4 à 5. Tous les rois de la terre, te louons au éternel. En entendant quoi? Les paroles de ta bouche. Il fait quoi? Ils célébreront quoi? La voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est quoi? Est grande. En un mot, la première caractéristique de la gloire de Dieu, c'est sa grandeur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et maintenant, c'est sa grandeur. La gloire de Dieu est grande. La gloire de Dieu est grande. La Bible dit, ça ne vous a pas dit? Même moi, président qui propose, le carnet, le monde n'a pas qu'à parler avec lui. Il est dit, oh, il est dans des frères. Vous attendez. Parce que, au terme, vous avez besoin de mon Dieu. Vous avez besoin de mon Dieu. Pour louer les cieux. Tenez bien. Troisième considération, le texte a dit, non seulement la louange individuelle,
la louange, quoi, internationale. Le monde entier va louer le Seigneur. Le monde entier va adorer le Seigneur. Mais troisième louange, c'est la louange, comme la Bible a dit, la louange inébranlable. La louange inébranlable. Dans les versets 6 à 8, il a dit, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Écoutez ça. Attendez bien ça. Tu étends ta main, quoi? Sur la colère de mes ennemis. Quoi? Et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres. Dites bien, très bien. Il y a quelque chose, oui? N'abandonne pas, quoi? Vous êtes créé par Dieu. Bon Dieu, papa, là, go, pas n'importe qui fait ça, lui, avant. Tenez bien. N'abandonne pas quoi? Les œuvres. Bon Dieu, t'as là, fin créé. Il fin fait une belle petite fille comme ça. Un bel petit garçon comme ça qui a prêché la parole de Dieu pour bon Dieu, la gueule, mon ami. Oh my God, my God. Regardez bien. Musique là, ou est travail pour bon Dieu là, ou est travail pour génération ou cap vini. C'est qu'on ou pas qu'on entendez? Qui ça gagne dans ça? Qu'est-ce que vous? Des fois son ennemi a table fini avec petit tout. Des fois table fini avec madame ou. Des table fini avec ou. Mais là, il calcule comment ou a pas le gloire, comment qui mounou y est dans lui-même. Il n'y a pas qu'à la gogo ça. Il n'y a pas qu'à la gogo ça. Non, ça n'a pas qu'à faire. Non, ça n'a pas qu'à faire. Je dis non, non, je n'en sais pas. Écoutez ça. Je reflète la gloire, mon Dieu. Il y a un monde qui bénit. Alors, texte dit, il me dit, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Il dit, que l'Éternel se réjouit de ses merveilles. Pour Dieu, prend plaisir dans vous-même, là, regardez-vous. Il y a des gens qui disent, j'aime là, bon Dieu, pas écoute. Bon, pas de problème, mais accepté rien hier. Mais bon Dieu, dit pour un plaisir dans où? Amen. Donc, nous là, regardez, il y a des gens qui disent, je suis trop gros. Je vais battre pour me pitié. Il y a des gens qui disent, je suis trop pitié. Regardez, mes amis. Ouh, ben là. Vous connaissez, vous voyez? Pas de gens qui disent, mon abdak wavo. Quand ça me dit, abdak wavo, c'est mal l'Éternel. Parce que vous faites la gloire. Oh my God. Les amis, bon Dieu. Il n'y a pas caché tout. Amour, bon Dieu, pour vous. N'importe qui, il y a. Il y a un rail péché. Il y a un rail sort fait, mais bon Dieu, remets-vous. Amen. Est-ce qu'on l'a maté? Bon
chambre jeté œuvre lui. Il est précieux pour lui. Si vous avez quitté le monde, la femme d'adultère, il n'y a pas d'avoir une grâce, bon Dieu. Si vous avez jeté le monde, la femme n'a pas d'avoir une grâce, bon Dieu. Mais qui aime tout maintenant, Dieu vous aime. Ou c'est œuvre, bon Dieu. Ou c'est affaire, bon Dieu. Dieu vous aime ce matin. Quel que soit votre état, votre situation, Dieu vous aime. Déclare, bon Dieu, car il est sauvé. Mais bon Dieu, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chargé, je vous donnerai du repos. Mais bien aimé, ça, bon Dieu, vous le faites à vous là. La faire quand même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Alléluia. Merci, Jésus. Père, nous te rendons gloire et honneur pour ce que tu es. Pour ce que tu as fait dans notre vie. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce culte d'adoration et de louange. Ça a été un moment béni, un moment de gloire en gloire. Toute gloire est à toi. Seigneur, je profite de cette occasion pour prier pour Pasteur Chavanjeune qui est malade. Il a besoin d'une présence. Une présence qui soit capable de passer sa soif. Seigneur, fais grâce. Tu es un Dieu qui guérit. Le Jéhovah Rapha, celui qui guérit. À l'instant même, je réclame ta présence pour ce humble serviteur. Fais grâce à lui. Je te demande, Seigneur, d'agir pour le frère Amos Marcelin. Fais grâce à ce serviteur, un artiste. Il a besoin de toi maintenant. Fais grâce à chacun de nous, les auditeurs, les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Chacun de nous ici à l'église baptiste de Salem, ceux qui sont en présentiel, nous avons besoin de toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous toucher, d'agir en notre faveur. La situation dans laquelle nous nous trouvons ce matin, et nous sommes persuadés, nous sommes sûrs, nous sommes certains, il y a un jour, ce problème ne sera pas là. Bénis-nous, Père, au nom de Jésus, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, ceux qui sont là ce matin en présentiel. Nous te demandons de les toucher au nom de Jésus. Nous te demandons de les toucher et que cette semaine soit pour nous une semaine de bénédiction, de protection, de miséricorde, de bonté. Sois avec nous, Père. L'église baptiste Bellevue Salem compte sur toi. Oui, Seigneur, tu n'abandonnes jamais tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous dirige. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous dirige. Que disons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que disons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Crions béni soit l'Éternel. Alléluia! Soyez bénis. Allez en paix. Et tout s'arrête.
mouri. Mwen gen yon profesi sou tèt mwen. La vi pa ka pase pa. Oh, oh, oh.